Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur SCP 3008. C'est en gros qu'on est dans Ikea et que le but on doit survivre la nuit. Donc il y a des employés, etc. Faut faire vraiment attention. Et donc le but est de faire sa forteresse. Donc bah tiens, je vais commencer à faire ma forteresse ici directement. Oh attends, il y a ça, des kits de soins. Donc je dois cliquer sur F pour les ramasser. Ok, donc F, F. Comme ça je vais avoir tous les kits de soins. Il y en a partout. Je clique sur E du coup pour garder les objets et recliquer sur E pour les poser. Ouah, mais attends, j'ai une idée. Je vais m'entourer ici, tout là, comme ça je vais être tranquille. Et puis je vais prendre des lumières pour pouvoir quand même voir, parce qu'après si je vois rien du tout. Hop, je vais mettre une lumière ici, je vais faire tellement une base super belle que vous allez être super choqués. Mais j'avais trop peur de faire cette vidéo parce que je sais pas, ça me fait flipper, je la fais enfin. Du coup je me suis acheté un serveur privé à 10 Robux, comme ça je suis tout seul. Et vous savez ce que j'ai fait? Vraiment oui, je suis un fou. Donc dans la vraie vie, je viens de fermer les volets, etc. J'ai éteint la lumière et là je suis dans le noir. Parce que je me suis dit, une petite vidéo SCP, bah autant se mettre dans l'ambiance. Et donc c'est pour ça, ambiance un peu obscure, un peu sombre. Et du coup, bah là je suis complètement dans le noir, donc je suis en train grave de paniquer. Je me sens pas bien, mais bon ça va. Pour le moment, bah il se passe rien. J'ai le temps, je pense, de faire ma base. Puis là, d'un coup, il va faire nuit, bam, là. Je vais avoir peur. Là, je vais paniquer d'un coup, hein, donc j'ai pas envie. Hein. Ah, mais attends. Je croyais que c'était des vitres, mais pas du tout. Je dois aussi cacher ça. Waouh, mais attends, là. Hey, j'ai pas avoir le temps de tout faire. Vite, 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 vite. Ouais, je me grouille comme jamais. J'ai trop peur, je flippe. Et puis, il va falloir que j'aille chercher d'autres lampes, parce que sinon, je vais vraiment rien voir. Et du coup, il y a ma barre d'énergie, donc il va falloir que je cherche de la nourriture pour pouvoir manger. Hop là. Donc ça c'est fait, vite. Par contre le magasin il est gigantesque, donc je pense qu'il y a plein d'employés qui vont venir m'agresser. Bah là j'en vois pas, donc je pense qu'ils sont là que la nuit. Bah ouais, on va bien voir ça. Vite, vite, vite. J'ai l'impression d'entendre des bruits bizarres, mais c'est juste mon imagination qui me joue des tours. En fait quand j'ai peur, je m'imagine plein de trucs. Et du coup c'est pour ça. Il y a plein de lits, genre c'est n'importe quoi ce que je fais. Une autre lampe, bah on va prendre la table avec. Ok bah non, on va mettre comme ça. Et donc la lampe c'était celle-ci. Je vais la mettre ici. Faut que je mette des lampes devant pour pouvoir bien voir. On va prendre des chaises. Je vais les mettre là, toutes les chaises ici. Dommage qu'on peut pas prendre les grandes tables. En même temps ils sont trop géantes, donc je comprends. Hop, vite, vite, allez grouille-toi. C'est de la nourriture. Oh, de la nourriture, des hamburgers. Et bah je vais tous les prendre. Des hot dogs, de la pizza. Wow, même de la boisson. Mais en fait je suis au paradis. Je suis au paradis. Vous savez que dans la vraie vie, j'ai toujours voulu me cacher dans Ikea la nuit. Ouais, j'ai des bails bizarres, mais je l'ai jamais fait parce que bah je vais pas le faire tout seul et puis bah t'as pas le droit, tu sais. Mais j'ai toujours voulu. Je sais pas, genre Ikea c'est trop bien. Surtout qu'avec ma pote, quand on est dans Ikea, on s'invente tout le temps des vies, genre des histoires et tout. Vous savez, on rentre dans les maisons là, tu sais, on fait genre qu'on habite ici et tout, tu sais. Ouais, oui, vous faites ça vous aussi. Non, enfin, je sais pas. J'espère que j'ai pas des bails bizarres. Allez vite! J'ai fait que un côté, ou à l'autre côté là. Mais attends, il manque plus qu'un truc, ça va en fait, je suis vers la fin. J'ai plus qu'à poser les chaises. Tiens, on va reprendre encore des lits puis des tables. Les chaises, je prends que ce qu'il y a autour de moi, j'ai vraiment pas envie d'aller plus loin. Oh, il y a une télé. Ah oh. Je vois rien. Je vois rien. Non. Moi, ça m'a fait méga peur. C'est obligé, ils vont venir m'agresser. C'est obligé, on voit que dalle dans ce que j'ai fait. En plus, ils peuvent sauter d'ici. Oh. Mais qu'ai-je fait? C'est mal, c'est grave mal fait ma forteresse. Ils vont pouvoir sauter d'ici, c'est même obligé je pense. Où sont-ils? Est-ce normal que je les vois pas? Je sais pas, par contre voilà, un peu de lumière là-bas au loin, il y a encore des lits. Ouais je suis en train de paniquer. Bon bah vas-y je bouge d'ici alors. Je les vois pas, autant continuer sa vie. Hop là. Hop, je continue. Hop là, voilà je me mets ici. Il y a vraiment personne. Je sais pas si c'est normal. Du coup, pour ouvrir son inventaire, c'est ça? Ok. C'est ça. Je pensais que c'était I, mais I, ça fait rien. Et c'est quoi le A? Donation, les paramètres, caméra. Qu'est-ce que c'est? Bon, je sais pas trop. Je vais laisser tous les bruits. Et du coup, pour T, couleur. Pardon si je mets du rouge. Ah, d'accord, je viens de comprendre. C'est pour me dire où je suis. Regardez. Là, il y a un point. Et si je m'éloigne... Je vois où ma base, je l'ai fait. C'est génial qu'ils ont fait ça. Bah vas-y. Hop, je pense que la première nuit, il se passe rien. Parce que regardez, je suis à la première nuit. Et je sais pas, il y a combien de nuits. Vous me l'avez même pas dit, bande de cachotiers.
C'est pour ça que là, je vois pas d'employé. Ouais, ça doit être ça. Bon, au moins, je peux bien faire ma base. Donc, moi, ça me dérange pas, hein, en attendant. On va prendre des lumières. Et je vais en mettre tout autour. On en pose une ici. Bah, elle est tombée, elle s'est cassée la gueule. On va en remettre une, deux. Bah, ici, la pause. Accroche-toi. Je vais boire un petit coup, hein, parce que là, je suis en panique. Où je mange? Alors, on va manger un hamburger pour récupérer un peu d'énergie. Donc, c'est ça pour manger. Hein, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais j'ai tout balancé par terre. Comment on fait pour manger? Va falloir que je comprenne le système. Ah bah c'est ça, interact. Bah oui, t'interagis avec. Et voilà, c'est bon, j'ai mangé, j'ai tout récupéré mon énergie. On va prendre... Ouah, les barrières! C'est génial ça, les barrières, ça va pouvoir me protéger. Et ben, je vais les prendre. J'aurais dû me mettre ici, il y avait tellement de lumière. Moi, je me mets dans un endroit qui est hyper sombre pour bien flipper encore plus. J'ai peur. Mais vraiment tellement peur. J'ai les frissons. En plus, je me mets vraiment dans le noir, donc bah là, dans la vraie vie, ça me fout encore plus de pression. Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ce genre de sensation. Et putain que je kiffe ça. Ah. Non mais à chaque fois d'un coup. Bon bah premier jour du coup, voilà, j'ai déjà vécu 24 heures là-dedans. Et pour le moment, en même pas un jour, j'ai fait tout ça. Je vais prendre un maximum de lumière pour vraiment être éclairé au maximum et au loin. Ça va être génial. Vous allez voir vraiment cette vidéo, elle va tellement être pépite. Je vais faire un truc mais de ouf. Ça va être génial, je vais prendre tout Ikea. Voilà ce que donne le résultat. Donc j'ai fait tout le contour, j'ai vraiment mis n'importe quoi. Comme ça, moi-même quand je saute, je peux pas. Ah ouais, mais il reste juste ici que j'ai mal fait. Et après, je serai bon. Oh bah tiens, comme ça, ça protège de ouf les tables. Pas mal comme idée qu'on puisse les tourner dans tous les sens. Par contre, j'ai pas pris assez de lumière. J'ai pas eu le temps, mais en même temps, là je me presse trop. Hein. Ça va être la deuxième nuit. Donc là, j'ai très peur. On se met, voilà, hop là. Mais là, c'est qu'en fait, je peux faire ça. Donc si je peux faire ça, je suis sûr qu'ils peuvent faire ça. Le but, c'est que moi-même, j'arrive pas à aller dans ma base. Et si j'arrive pas à aller dans ma base, bah, les ennemis ne pourront pas aller dans la base. Ça me paraît logique. Donc, ce que je vais faire là, bah ça, je cache. Hop. Et il faut que j'ai plus de nourriture, parce que j'ai déjà plus que 50 énergie. Ça va trop vite. Je fais consommer. Donc, on mange. Ouah, il va falloir que j'aille chercher de la nourriture pour survivre. Ça va être hardcore, sinon. Alors, où est-ce que je peux avoir de la nourriture? Des lumières, ça c'est bien, mais moi je veux de la bouffe. Y en a pas? Me dis pas que j'ai pris toute la bouffe, quoi. Oh, ici, j'ai enfin trouvé. Ouah, vite. Je ramasse tout. J'ai que ça. Et ouais, je suis allé super loin, regardez, je suis à 600 mètres. C'est abusé, bah tiens, on va prendre une table au passage. Ouais, mais je suis méga loin, vite, avant que la nuit arrive. Sinon, je vais grave crier, ça va me faire trop peur. Vite. Ah oh. Vite, je suis même pas arrivé. Je suis toujours avec ma table. C'est du n'importe quoi. Moi, je vais me faire agresser. Vite, on se dépêche. Heureusement que j'ai mis de la lumière ici. Hein. Heureusement. Comment je fais pour grimper? Oh non. La chaise. Tu vas m'aider. Tu vas servir à quelque chose. Je grimpe comme ça en mettant de la chaise. C'est du n'importe quoi. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'il va y avoir des ennemis? Parce que là... On est dans une nouvelle nuit. C'est obligé qu'il y en a. Mais où? Ça, je sais pas. J'ai trop peur. Alors, je me suis mis une télé. Comme ça, je suis posée avec ma télé. Faudrait grave que je me mette un toit. Ouais, waouh. Bah ouais, j'ai tellement de trucs à faire. Mettre un toit, carrément. Et puis, quoi encore? Non, mais ça serait trop chaud. Est-ce que je bouge? Est-ce que je fais le fou de partir d'ici? Parce qu'en soi, je pourrais faire le fou. Je dois aller à 10 km chercher des lumières. Je sais pas si vous réalisez à quel point... C'est super grave. Je croise personne, donc je fais ma vie. Ça va être une super forteresse, je suis trop fière de mon invention. Vraiment, c'est ma fierté, cette base. Petit conseil pour ceux qui sont comme moi, qui débutaient, qui savaient pas. Regardez les panneaux. Par exemple, là, il y a un panneau burger, et donc c'est là où j'ai pu récolter des hamburgers, des spaghettis, etc. Tous les tableaux sont indiqués. Et ça, vraiment, c'est génial. J'avais pas fait attention, tu sais, tellement que t'as peur. Tu fais pas vraiment attention à tous ces détails. Mais c'est très important, du coup, bah voilà, c'était pour vous le dire, comme ça au moins vous le savez, et vous allez pouvoir faire attention. Alors, je vais mettre ça comme ça. Ah bah la table, elle est tombée. Donc, ouais, non, mais vraiment, c'est une forteresse! Ici, j'ai pas mis assez... Ouais, on peut passer par là, donc... Il va falloir que je mette ça, je prends la petite table. Est-ce que je me sers de la télé aussi, je la pose? En vrai de vrai? De ouf. Je vais poser la télé, ça va grave me faire un bouclier. On va le mettre ici. Là, il y a trois tables. Oh, génial. Et puis, il y a plein de lits. Je vais tous les prendre. Je vais vraiment tout prendre. Peut-être que j'en fais trop.
Je suis toujours le genre de personne qui, tellement qu'a peur dans des jeux comme ça ou qui doit se cacher ou construire son truc, j'en fais toujours des tonnes. Et là, je trouve que j'en fais des tonnes. Non, mais c'est un peu abusé là. Ok, j'ai construit ma base et maintenant je fais une double base. J'en fais de ouf de trop, c'est abusé. Là, je suis sûr, il y a des gens qui doivent se dire, non, mais arrête, arrête. Ou attends, on peut faire ça? Ou en fait, ça sert à vraiment à rien ce que je fais, à part si là, la table. Les tables ici, parce que ouais, ils peuvent pas sauter comme ça de là, donc c'est bon. Je me mets comme ça. Là, c'est bon. Ça, c'est bien. Nice. Et donc, là, on peut toujours faire ça. Ça sert à rien ce que j'ai fait. Voilà, mon chef-d'œuvre, il est terminé. J'espère que vous aimez bien. C'est une grande base, c'est le cas de le dire. Je peux même me servir de tout ce que j'ai au milieu finalement, puisque bah, ça va rejoindre avec là. Donc comme ça va me faire. J'ai pas besoin de faire des allers-retours. Ah, c'est quand que ça reprend là? Arrêtez de me foutre la pression là. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous à reprendre. Je veux qu'il se passe quelque chose. Ah! Arrêtez! Mais à chaque fois, je me fais avoir. Mais je sais pas, ça dure combien de temps les trucs aussi. C'est pas ma faute. Les gars, je suis mort, mais je vous explique. Je viens enfin de comprendre qu'est-ce que je devais faire. C'est normal qu'ils apparaissent pas depuis tout à l'heure, parce que c'est à moi de les faire apparaître dans le mode menu. Donc ici, ils sont là. Je peux les faire apparaître. Spawn, spawn, spawn. Oh, j'en mets plein la masse. Tant pis si je remeurs de nouveau. Je vais en mettre de toutes les formes. Il va tellement en avoir en fait que le truc il va bug. Comme c'est mon propre serveur, c'est à moi de créer mon propre jeu. C'est quoi des Uber? Oh là là, mais ils font trop peur, j'en mets plein, 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 plein. Ouah, je vais faire un truc, mais tellement de malade, vous allez trop kiffer. Et moi, je crois pas que je vais kiffer. Je crois que je vais plutôt être en panique là, quand ça va être cette nuit-là. Et donc, voilà tous les employés. Eux, ils sont énormes, je vois pas pourquoi je les ai mis, je suis trop bête. Ils sont gigantesques. Bon, on va retourner du coup dans. Bah, notre base. Et oui, ils sont gigantesques, mais qu'est-ce qui m'a pris de les mettre? Ça va être du n'importe quoi quand la nuit elle va tomber. Pourquoi j'ai mis des géants comme ça? Ça va pas, moi. Ah, mais c'est bon, tu peux les enlever. Tu vois, par exemple, j'ai mes là et hop, ça les enlève tous. C'est ce que je vais faire, parce qu'on va pas non plus abuser. Et là, je vais en mettre plein de petits, hop, vers chez moi. On en met partout. Et je vais m'installer maintenant. Je peux me faire même spawner plein de trucs. Ouah, c'est génial. Bon, en même temps, je suis admin. Mais bon, j'ai pas triché, hein. Moi j'ai fait tout ça en farmant bien à la main sans tricher. Je me suis fait spawn 2-3 trucs. Allez, juste pour le kiff. Ah, j'ai trop hâte! Allez, c'est quand que c'est la nuit? Enfin! Ouais, j'avoue, j'ai un peu abusé au niveau des palettes. Mais d'un coup, quand j'ai su que je pouvais faire ça, j'ai trop peur, c'est abusé. Mais je pense que je vais aller dans un vrai serveur après. Oh mon dieu, ça y est, c'est le moment tant attendu! En voilà un qui est juste ici. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ah! Je vais me casser la jambe. Alors, faut que je mange. Alors, c'est... Ah! D'où tu m'attaques? Oh mon dieu! Il fonce sur moi, là, ça y est! Pep, pep. Bon, bah, oh mon dieu, puis voilà, bah, il y a tous les autres. Ils se réveillent que maintenant. Mais je pensais qu'ils allaient tous foncer sur moi. Là, je comprends vraiment pas du tout. Pourtant, j'en avais mis 100 000. Eh, mais arrêtez! Vous m'agressez, monsieur! J'achèterai plus jamais Ikea, c'est fini. Je ferai plus aucune commande à Ikea et je n'irai plus là-bas. Re tout le monde, du coup, bah, j'ai relancé un serveur et donc je me suis mis, oh my god, dans plein de palettes. Et donc là, j'ai mis une centaine d'ennemis parce que sur la soie, j'avais tout supprimé tout à l'heure. Et donc là, ils sont au moins 100 000. Bon, on les voit de toute façon, là, il y a la lumière. Ils sont juste ici. Regardez, il y en a 100 000. Oh mon dieu, vous êtes prêts? On va sortir d'ici, je vais courir à toute allure. Est-ce que vous êtes chaud? Oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça va en fait. Ils sont tous là. Hey, coucou tout le monde, ça va? J'espère que vous allez tous bien. Oh, oh mon dieu, comment il a fait lui? Comment t'as fait ça, frère? Allez, venez, foncez sur moi si vous voulez. N'hésitez pas. Eh oh, je suis là, les gars. Il y en a vraiment partout. Tu peux même pas faire un pas que t'as des gens qui font sur toi. Oh, celui-là, il ressemble à Slenderman. Il est super grand, mais j'ai vraiment mis toute. Bah en fait tout. Ah, regardez comme il va super vite. Il va méga vite. Par contre, ils peuvent que être 2-3 sur moi. Ils peuvent pas tous foncer sur moi. Parce que je voulais savoir s'ils pouvaient vraiment tous foncer sur moi d'un coup. Mais non, du tout, ils peuvent pas. Genre, c'est pas possible. Tu vois là, ah, quoi que si tu fonces sur eux, après ils vont foncer sur toi. Ouais, je vais méga vite. Je vais super vite. Ouais, mais eux aussi. Ouais, non, mais c'est abusé. Venez, on va vers la lumière. Comme ça, je vous montre un petit peu de plus près. Oh mon dieu. Oula. What the fuck? C'est du n'importe quoi. Le pire, c'est que je suis même pas encore mort avec tous ces ennemis-là.
Je sais même pas comment je fais. Mais ah, allez-y, vas-y, là, je vais mourir. Ouais, oui, non, mais c'est obligé. Et voilà, je suis mort. J'ai rejoint un serveur où du coup ils sont à la nuit 21 déjà. C'est quoi ces bruits? Oh oh, oh oh, il y a un employé derrière moi. Attends, prends ça. Hop. Oh non. Ouais, mais il est tout petit lui. Ouais, il va méga vite. Ah. Vite. Non, bouge de là, bouge de là. Oh mais tiens, mais prends-toi le canapé dans la face. Oh mais en fait, c'est trop bien d'être dans un serveur avec des gens. Pourquoi j'ai pas fait ça dès le début? Je vous jure, je vous en referai une vidéo sur ce jeu. Vraiment, oh mon dieu. Ils sont combien là? Ah maintenant c'est le grand qui est pas content. Vite, vite, faut que je rejoigne quelqu'un. Attends-moi, t'es où? J'avais vu quelqu'un qui était là et là je le vois plus. Oh non! Je vais me faire des escaliers. Vite, 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 on fonce. Hop. Prends celui-là, s'il te plaît. Non, 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 non! Non! Elle fait trop peur! Ah! Ça fait trop peur ce jeu! Non, mais laisse-moi! Je voulais poser mon lit et aller à l'étage, j'ai même pas le temps. Ouah, c'est trop chaud, en même temps j'ai pas eu le temps de me faire une base, je viens d'arriver en cours de route dans la partie. J'ai même pas eu le temps de me faire ma base. Vite, 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 non, non, ils sont encore derrière moi, mais arrêtez, là c'est du harcèlement ce que vous faites. Excuse-moi, mais excuse-toi pas en fait. Non, t'as pas à t'excuser, tu me tues d'où, tu t'excuses. Bon du coup voilà les potes, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis du coup à la prochaine pour de prochaines aventures. Excuse-moi.